Ça, c'est les Hart. Les Hart avec la country. Là, tu vas te chanter. Regardez, n'est-ce pas la famille parfaite? India, Rain, River et Dante sont toute la vie de Julie et Corey Hart, qui n'avaient jamais laissé une caméra capter leur intimité. Quand il y avait l'ouragan, qui est passé, ça fait quelques semaines, Wilma, on était en voiture, on était ici. On était ici et ici, c'est Boca Raton, en Floride, où India, la plus vieille, passe une semaine par mois pour prendre des leçons de tennis. Mag. Amène toutes mes valises. Amène mon chapeau. C'est comme ça que ça marche chez les Hart. C'est ça que je comprends. Et India, l'aînée de la famille, sera peut-être un jour championne de tennis. Elle est jeune encore, elle a 10 ans. Mais depuis qu'elle a 6 ans, elle a décidé pour les années qui passent qu'elle veut faire une carrière en tennis. C'est à l'Académie Evert que la petite India peut parfaire son jeu sous l'œil vigilant de Chris Evert, une professionnelle qui a remporté à 7 reprises le prestigieux Roland-Garros. I have my racket when I was India's age. Oh, it's a Chris Evert. How funny. Look at this grip. Do you have a dog? Did the dog chew it or something? This is probably the same age as sunglasses at night. Oh, thanks. We became friends. We came to Florida to look at a few academies, and we chose the best one, which is Evert. La complicité entre la famille Hart et Chris Evert est telle que Corey lui a même écrit une chanson. I'm overwhelmed that, I mean, what woman wouldn't want to have a song written? Imagine that. I know. Especially called She's So Good. I know. And it's a very, it's, you know, very interesting song, too. It's so sweet. I thank him every day. Oh, baby, she's so Le tennis est une affaire de famille pour les Hart. Telle mère, telle fille. Julie aurait aussi aimé faire carrière dans l'univers du tennis. Si j'avais eu les cours de tennis quand j'étais petite, j'aurais adoré essayer ou avoir voulu être une joueuse de tennis, mais moi, j'ai commencé bien trop tard, dans ma vingtaine. C'était déjà fini. Tous les joueuses qui veulent devenir professionnelles en tennis, t'as pas le choix. Il faut que tu sortes de l'école, il faut que tu fasses ton école pendant, entre tes heures d'entraînement, qui sont plusieurs heures par jour. Ils s'entraînent entre 4 et 6 heures de tennis par jour. Alors, il faut trouver un temps entre pour faire les études. Elle fait ses leçons avec son père, un petit peu avec moi, mais le plus gros était avec son père. Moi, j'ai entendu dire que c'est toi qui lui enseignais le français. Non, hey! Ce serait stupide à faire ça, non? Elle va flanquer si je lui enseigne le français. Non, elle a pas de cours de français. Jacques Cartier. Ouais. Jacques Cartier, de quel pays? Qui est meilleur, papa ou maman au tennis? Oh non. Là, elle veut pas répondre parce qu'elle a peur de dire la mauvaise réponse parce que je suis là. Mais la vérité, c'est qu'elle a le goût de dire mon père. C'est correct, tu peux le dire, c'est papa qui est meilleur. Papa. Ça a l'air que vous vous chicanez jamais, mais que vous passez proche des fois quand vous êtes sur un court. Sur le terrain de tennis? Oh non, on joue plus ensemble. On joue plus, c'est fini? Non, on joue un contre l'autre, mais... Un contre l'autre, mais jamais en équipe. Non, en équipe, ça marche pas. Non, c'est la divorce. Non, c'est... Vous avez vraiment réussi à créer une bulle autour de votre couple, hein? Au départ, c'était ça, puis là, toute une bulle autour de la famille. Important pour vous, ça. Oui, c'était très important. D'ailleurs, c'était je pense, la raison pour aller aux Bahamas, d'ailleurs, pour créer un environnement pour les enfants qui avait rien à voir avec le showbiz. Les enfants sont toujours étonnés quand les gens nous reconnaissent ou qui demandent pour un autographe. C'était quoi? Pourquoi t'écris ton nom sur un bout de papier? C'est comme... Ils trouvaient ça bien bizarre. C'est quelque chose qu'ils sont pas habitués. Malgré qu'on leur dit papa est chanteur, maman aussi, c'est pas quelque chose qui a été vraiment exposé, puis c'est ça qu'on voulait créer. On voulait les protéger de ça. Moins présente dans le Star Système, Julie Masse s'est trouvée une nouvelle passion. Elle fabrique des bijoux. Fait que ça, c'est une ligne que tu vas commercialiser? Probablement, oui. C'est son gérant? Quoi, le gérant? C'est ça, je fais beaucoup de bijoux, alors... C'est fou! Et peut-on espérer un retour de la famille Hart à Montréal?
C'est sûr qu'il y a plein de choses qui nous manquent de Montréal. La famille et la culture montréalaise, ça fait partie de nous. Hein? On a été élevés là toutes les deux, alors c'est sûr que ça fait partie de nous. Je m'ennuie pas de la neige. Ça me manque pas.